Mais alors, question, l'exécutif était-il au courant? Contrairement à ce que dit Elisabeth Borne, eh bien c'est ce que pense Mathilde Viaud de l'Observatoire des violences sexistes. Évidemment, les personnes qui ont nommé Damien Abad en tant que ministre savaient qu'il y avait eu des plaintes classées sans suite à son encontre. Je pense qu'ils s'en fichent, en fait, en réalité. Par conséquent, on en arrive encore à une fausse grande cause du quinquennat, c'est-à-dire que les violences sexistes et sexuelles en politique n'intéressent pas le gouvernement. On le savait déjà, avec le maintien de Gérald Darmanin en tant que ministre. Bon voilà, ils en font peu de cas, et donc on est dans un rapport de force avec le gouvernement pour essayer de leur faire comprendre que ce sont des faits extrêmement graves. En n'en tenant pas compte, finalement, ils envoient un message d'impunité à des agresseurs potentiels, c'est extrêmement grave.